Bienvenue pour la première de ces 5 minutes com. Donc l'idée c'est de faire des commentaires en 5 minutes, hein, globalement. Pour cette première partie, donc on a Rémi du club de Go de Grenoble, qui est un de mes élèves, qui a joué contre Léo lors du Made in C ce week-end. Donc on va regarder rapidement, il a fait des très belles formes, il a puni des choses, et il a fait des petits coups qui étaient... Il pouvait être remercié par son adversaire. Voilà, on va voir tout de suite. Let's go. Première variation, voilà, le petit problème. Ici, son adversaire ne répond pas au coup des 17. Il s'ensuit une petite séquence et ensuite, on punit.
en prenant le coin et en rendant les deux faibles, les deux pierres très faibles en D16 et en D13. Voilà, celle-ci. Deuxième petite variation, pouf, traverse Keima, blanc joue en E11, il laisse une forme de déchirement possible, et c'est ce que va faire donc Rémi juste ensuite. Donc là on voit que si blanc répond ici, on va pouvoir prendre la pierre directement, et on se dit mince, pourquoi on n'a pas solidifié de cette manière-là auparavant. Voilà. Comme ça, ou juste jouer ailleurs à ce moment-là. Par exemple, ici. Maintenant, on n'a plus envie de sauver la pierre qui est à l'extérieur. On peut aussi se dire, bon, on va aller vers le centre de cette manière-là. Mais, voilà, dans tous les cas, très bonne réduction. Et la coupe qui vient à nouveau. Donc, on voit que si on vient chercher cette pierre-là, on va pouvoir récupérer les deux pierres, si on est noir. Donc très belle coupe aussi, voilà, qui s'ensuit avec, pouf, une petite capture des deux pierres au centre, et c'est très agréable, ben, parce que tout le mur blanc là regarde de ce côté-là, et donc quand on capture ces deux pierres, on vient casser cette influence, alors pas complètement, hein, y a toujours de l'influence, mais on vient l'embêter un petit peu. Troisième variation. Ici, Rémi vient s'installer, donc Rémi noir, hein, vient s'installer en H4, blanc vient par en dessous, un peu soumis, mais là on fait une forme un petit peu sur-solide. Voilà, s'ensuit donc une petite variation avec blanc qui attaque d'un côté, mais qui aurait peut-être dû attaquer de l'autre, parce que le coup en G8 permet de connecter avec son groupe. Voilà. Dans l'idée, ce coup-là est un petit peu trop solide, donc on va lui préférer quelque chose qui va aller un petit peu plus vite. On va préférer aussi garder des petites attaques ici, donc ce qui a eu lieu un petit peu après. Parce que là, si blanc essaie de déconnecter, on va pouvoir reconnecter a priori. Ça laisserait trop de faiblesse pour blanc de faire ce genre de choses. Pouf, pouf, pouf. Et donc on pourrait reconnecter avec nos pierres. Ça, quatrième variation. Paf. Alors ici, c'est une séquence qui a commencé avec cette pierre en J12. Et si on regarde, beaucoup de pierres ajoutées pour aller jusque là. Un petit peu d'acharnement. Je dois pas te le cacher. Donc peut-être qu'on peut, on peut laisser toutes ces pierres là libres, et puis aller solidifier son coin par exemple, ou aller embêter par ici. Moi ici je vois que mes trois pierres sont faibles, donc je vais quand même me dire ok, je commence par le coin. Bon, t'as réussi à le solidifier après ça, mais ça aurait pu être un petit peu plus embêtant. Variation 5. Là, tu vas pousser pour donner une bonne forme à ton adversaire. Voilà. Ce pousser-là, on va l'éviter. Là, tu vas préférer plutôt faire quelque chose comme ça. On voit qu'on n'est pas coupable ici. Variation 6. Alors là, c'est petite sumego. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur ces pierres. Nous, de notre côté, on va regarder ce qui s'est passé. Tac, 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 tac. Alors, la séquence est super intéressante, mais elle pourrait être vraiment plus simple. Il y a trois petits moments où noir pourrait simplement réduire. Blanc va essayer d'agrandir. On va pouvoir menacer de capturer les deux pierres. Ou de connecter par en dessous. Si on a paf, il n'y a pas vraiment de solution. Si on peut aussi capturer la pierre comme ça. Si blanc vient ici, on va pouvoir capturer les 5 pierres.
Donc il n'y a pas de solution, j'ai l'impression, en tout cas. Vous pouvez m'arrêter si je me trompe. Donc, ouais, petite sous-mégo sympathique. Et en fait, même par la suite, les coups de Rémi ont été vraiment sympas. Là, malheureusement, il n'a pas repéré la forme, qui était juste faire une forme en deux, et blanc ne peut pas faire d'espace dieu de l'autre côté. Quoi. Donc là, blanc fait Atari, blanc capture, et c'est dommage. Et là, malheureusement, il y avait encore une petite solution, prendre les pierres, et bah c'est toujours qu'un œil. Donc, c'était compliqué pour blanc. Et voilà, ça se termine notre petit 5 minutes review. Vous pouvez revoir la partie au lien qui sera dans la description. Les triangles, je rappelle, c'est pour les mauvais coups, les carrés pour les bons coups, et les croix pour des coups qui auraient pu être mis, qui auraient été intéressants. Et je vous laisse réfléchir avec tout ça. Vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Pour toi, Rémi, hein. tu pourras me poser les questions au cours prochain. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. La semaine prochaine, peut-être. On verra.